les chances utilisent. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Dans cette vidéo, on va faire un autre chose, c'est pas le mauvais Kirikou. À ma gauche, il y aura le Kirikou, enfin le grand-père de Kirikou, comme vous le savez. Au milieu, on aura Karaba la sorcière. D'ailleurs, elle me fait un tout petit peu peur. D'ailleurs, wesh, comme toi, tranquille. Wesh, elle veut déjà essayer de m'attaquer, les amis. Et comme vous pouvez le voir, tout à droite, on aura Kirikou, du coup, le gentil. Et dites-moi dans les commentaires, vous préférez lequel entre les trois? Moi, mon personnage préféré, c'est Kirikou, vu qu'il sait courir vite. Bref, les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les notifications lors de mes prochaines vidéos. Les amis, d'ailleurs, on va essayer d'atteindre les 50 000 abonnés avant la fin de cette semaine. Donc, les amis, partagez la chaîne YouTube à tous vos amis pour m'aider. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une carte Google Play qui sera cachée dans la vidéo. Et essayez de la trouver en premier. Bah pour gagner cet argent. Du coup les amis, on va tout de suite commencer par Kirikou, du coup le plus gentil. Et non, tu peux te calmer. Toutou le loup, toutou. Bref. Vas-y, viens Kirikou. Par contre, Kirikou, t'as grandi hein. Avant t'étais petit, non? Non, je suis encore petit, regarde. Bah non, là t'as grandi hein. Les amis, vous savez bien que Kirikou il mesurait 2 cm à peine. Là tu mesures 1 mètre, mec. T'as grandi, la vie toi, t'as grandi. Par contre, t'es tout nu, alors attends. Tu sais quoi? Je vais te passer des habits. Vu que t'es tout nu, mec. C'est ça, je veux que tu m'achètes des habits. Alors attends, tiens, voilà. Et je te passe des bottes. Du coup, vas-y, habille-toi, parce que là, Kirikou est tout nu, les amis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu le film Kirikou. Et, ah bah là c'est nickel. Wesh, calme-toi. Les amis, regardez, il y a Karaba la sorcière qui essaye de nous attaquer. Mettez tous dans les commentaires Karaba la sorcière la méchante. Et, bah c'est une vraie sorcière. Bref, wesh, vas-y, danse. Kirikou est petit, mais il est gentil. ils sont les gens du village. Karaba, c'est le caca. Wesh, ok les amis, chantez tous avec lui. Karaba, c'est une caca, une vraie caca, Karaba la caca. Oui. Du coup, Kirikou, par contre, y a rien du tout dans ta base secrète, tu veux pas que je fasse quelque chose? Oui, il faut que tu me décores un tout petit peu, regarde, tout ça, je suis ultra. Ouais, vous savez les amis, que Kirikou est, c'est un petit clochard. Donc ce qu'on va faire, on va juste mettre des petits escaliers. Alors, hop. Voilà. Moi. Ouais, toi. Non, ok, c'est bon, je rigole, t'es pas un clochard. Du coup, on va aussi te mettre, alors attends, ici on va mettre de l'eau. Comme ça tu pourras cultiver des trucs, ça te va comme ça ou pas? Ça te va comme ça, Kirikou? Alors je crois qu'on a perdu Kirikou, les amis. Alors on va juste mettre de la terre stérile, ouais c'est bien ça, de la terre stérile. Ok, du coup les amis, j'ai eu un petit souci avec Kirikou, du coup on a repris. Et comme je vous disais les amis, il fallait mettre de la terre stérile. Et ensuite il fallait mettre, faut mettre des graines, c'est ça non? Moi je m'y connais pas trop hein. Ça marche pas avec la stérile. Ah, faut mettre de la terre normale en fait. Oui. Ah merde, ok, alors attends, je reprends de la terre normale. Hop, voilà, et du coup, ensuite qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais bah vas-y, passe-moi. Parce que moi je suis pas vraiment un agriculteur, ouais c'est ça. Ah ouais, faut prendre... Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Wesh. Mais attends, tu devrais t'en souvenir, t'as fait Pikachu. Ouais, j'ai déjà oublié. Par contre, comment ça se fait que ça cultive en une seconde là? Enfin, ça a poussé une seconde. Wesh. Et... Parce que j'ai fait des invocations comme ça. Ah d'accord, attends, viens, on fait la même chose. Wesh. J'ai fait des invocations. C'est moi. Ah, c'est toi, ok. Et du coup, ça sert à quoi ça en fait? C'est quoi? Alors déjà, il faut enlever ça. Ouais, vas-y, enlève. Explique-moi et montre-moi comment on utilise. Oh, bah, tu peux mettre des graines dedans. Ah, tu peux mettre des graines à l'intérieur et il se passe quoi après? Je sais pas. Bon bah en gros c'est nul. Vas-y, tu sais quoi du coup? Genre, ta mère elle est malade là, non? Non, elle est partie. Ouais. Non, elle est où? Au bois de boulot. Ah d'accord. Ouais, c'est... elle est partie dans la forêt aller prendre des champignons, non? Ah ouais, des... Ok. Bon, tu sais quoi, attends, je te passe des potions de soins. Et comme ça, tu passeras à ta mère et tout.
pour qu'elle se soigne et tout. Bref, du coup, Kiriko, t'aurais pas une récompense pour moi? Oui, mais c'est des gros champignons. Ouais, ouais, t'inquiète. Vas-y, vas-y, du coup, passe-moi ta récompense. D'ailleurs, là, je viens de récupérer un blé. Du coup, tiens, je le dépose. Et vas-y, passe-moi une petite récompense, comme ça, je me taille d'ici. D'ailleurs, attends, je vais juste reposer là où. Et après, les autres trucs m'appartiennent. Et donc, c'est bon. Donc, tiens, ça vient de mon frère Winry. Ah, d'accord. Bah, ah, merci. Bah, il m'a passé. Kiriko, il vient de me passer du sucre. Donc, ça me servira à faire des gâteaux, les amis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez faire les gâteaux. Moi, personnellement, je sais en faire. Et du coup, les amis, on va tout de suite passer à Karaba la sorcière. Je crois qu'elle est déjà à l'intérieur. Ou il faudra attendre qu'il soit 3h du matin. Je sais pas du tout. Bref, du coup, les amis, c'est parti. Ok, c'est parti les amis, j'ai vu avec Karaba sorcière et elle m'a dit qu'elle était à l'intérieur. Du coup les amis, c'est parti. Et je crois qu'on peut directement rentrer à l'intérieur. La porte de fer a été pétée. Et what? Il y a un bonhomme sur ses fesses les amis. What? Karaba, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? T'as pas ton... Comment ça s'appelle déjà ton trident? Il est où ton trident là? Tu l'as lâché? Wow, non, c'est bon. Tu peux le ranger? Non, range-le, s'il te plaît. Range-le. Arrête. Du coup, c'est quoi la mission aujourd'hui pour moi? Et ben, il va falloir que tu trouves dans des coffres. Ouais. Il va falloir que tu trouves dans des coffres. Dans des coffres, il y a. Et ouais, mais il y a quoi dans les coffres? De l'or. De l'or. Ah, mais oui, c'est vrai, les amis, dans le film, vous savez que Karaba la sorcière a énormément d'or. Donc je crois qu'elle a caché tout ça dans la base secrète. Et d'ailleurs là il y a marqué quoi? Sang de villageois. Oh, il y a du sang de villageois les amis. T'es sérieux? T'as tué aussi des villageois? Et c'est qui ça? C'est un... Ah c'est ton chien de garde là? Oui. Oh ouais, lourd. Bon, t'aurais pas une petite... comment ça s'appelle déjà pour creuser là? Une pioche, ouais, une pioche. Une pioche, vas-y passe-moi une pioche. Comme ça je creuse. Et du coup, ouais, alors hop. Par contre, il me faudrait aussi une pelle pour creuser la terre, vu qu'il y a de la terre en dessous. Et bah, je peux pas creuser la terre avec une pioche, bien sûr. Par contre, comme vous pouvez le voir, les amis, il y a du sang un peu partout dans la base. Donc hop, voilà. Ah bah, j'ai déjà trouvé un coffre. Alors du coup, les amis, comme vous avez pu le voir, lingot d'or. Casque en or, en diamant en or et tout. Oh, ah ouais, lourd. Alors ici, on va voir s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien du tout ici, les amis. Donc on va voir de ce côté. Hop, hop, on creuse un peu partout. Et on sort la pelle du coup. Et on va voir s'il n'y a pas d'autres coffres. Donc, ah bah ici j'en ai trouvé un autre. Hop. Wow, on a des pépites d'or les amis. Oh, le hasard. Lourd. Le hasard. Ouais, comme par hasard. Par contre, je peux pas monter. Non mais c'est parce qu'en fait, en vrai j'ai vraiment de la chance. Ah oh, bah j'ai encore trouvé un coffre. Oui, mais j'ai vraiment de la chance les amis. Oh, t'es tellement chanceux. Ah mais je suis grave chanceux, hein, c'est un truc de fou. D'ailleurs les amis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chanceux vous. Et bah voilà, et puis voilà. Et du coup c'est tout, je crois que j'ai trouvé tous les coffres là, non? Ou il en manque encore? Ben ouais je crois. Je crois que c'est bon. Ok, du coup t'as rien caché en dessous de la télé, non? Je sais pas. Non ok, bon ok. Bah du coup je crois que... Oui je pète pas tout. Par contre tu as débrouillé pour tout reconstruire. Moi j'ai pas que ça à faire. Du coup je te dépose tout. Hop, voilà tout ce que j'ai trouvé. Et du coup, nous, les amis, on va garder les pépites d'or. Et puis voilà. Du coup, tiens, voilà, je t'ai tout déposé. Hein. J'ai déposé tout ce que j'ai trouvé. De quoi tu viens, y'a quoi? Je peux faire des incantations. Oh, merci. Oh, nickel. Bon, bah, merci beaucoup, hein, Karaba. Oh, finalement, les amis, comme vous avez pu le voir, Karaba les sorcières, elle était sympa avec moi. En fait, elle est juste méchante avec les villageois, comme Kiriko, elle est méchante contre lui. Bref, du coup, les amis, nous, on va passer au grand-père. Et du coup, pour trouver le grand-père, je crois qu'il est déjà à l'intérieur, vu que ce vieillard reste dans sa salle. Donc, soit faire, les amis, on va essayer de rentrer dans sa base. Donc, faudra trouver, du coup, le chemin secret. Du coup, les amis, comme vous avez pu le voir, ici, on a une peinture, je pense pas que ce soit ici l'entrée. Donc soit fait, on va voir si autour il n'y a pas une porte autour de la base secrète. Donc pas du tout. Par contre, je sais pas si on peut passer par au-dessus. Bah non, vu que j'ai pas de super pouvoir. Donc les amis, je crois que pour entrer c'est par ici. Mais je ne sais pas du tout comment faire. Oh, what? Regardez les amis, j'ai réussi à rentrer. Oh, c'est trop bien. Oh ouais, trop stylé. Oh, il y a le grand-père, les amis. Bravo, tel cadeau, tu as réussi.
Mais non, mais je m'appelle pas Talcados, moi je suis Zotinan, mec. Enfin, grand-père. Bravo, tu. Bravo, Twinner. Mais non, mais je m'appelle pas Twinner, je m'appelle Zotinan. Ah oui, mais. Bravo, Aurélis. Ah, vas-y, ok, c'est bon, je me pète. Je me pète d'ici, hein. Non. Bon. Vas-y, du coup, je m'appelle Zotinan. Et c'est quoi ma récompense vu que j'ai trouvé la base secrète? Une carte Google Play de 50 euros. Oh, la carte Google Play de 50 euros, les amis. Oh, comme je vous disais au début de la vidéo, bah, il y aura une carte Google Play. Bon, là, voici. Du coup, les amis, je vais l'ouvrir dans 3 secondes. Du coup, les amis, soyez prêts à l'utiliser, à utiliser ce code. Et bah, si elle marche pas, du coup, grand-père, si le code il marche pas, il faut faire quoi? Bah, ça veut dire eh ben, que quelqu'un l'a déjà utilisé. Ah, bah, donc, ok, les amis, du coup, essayez d'utiliser le plus vite possible. Et du coup, j'ouvre ça dans 3 secondes. 3, 2, 1. Et du coup, les amis, utilisez-la vite. Et c'est parti. Et du coup, grand-père, t'as quelque chose d'autre à dire ou pas? Alors, oui. Alors, qu'est-ce que t'as à dire? Donc, il est en train d'écrire en panneau. Donc, snap de Tiznan. Ah, il veut écrire mon snap. Donc, les amis, je vais écrire mon snap. Mon snap, c'est ça. Voilà, c'est The Tiznan. C'est écrit comme ça. Mon Instagram, c'est ça. Et t'as quelque chose d'autre à dire en dernier ou pas? Nixon. Ouais, je. Bon, c'est quoi? Tiens. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Ah, il me passe une arbalète ou un arbalète, je sais pas comment ça se dit. Bref, du coup, merci, grand-père. Et du coup, les amis, comme il l'a dit, comme le grand-père l'a dit, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. Partagez la chaîne YouTube à tous vos amis. Mes réseaux sociaux sont en description. D'ailleurs, les amis, je cherche un GFX. Donc, il y aura mon Discord aussi en description. Du coup, écrivez-moi un petit message et puis voilà. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.